Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Starship Trooper sur le DLC Urban Onslaught. On va faire la mission numéro 2 et le mystère reste entier. Est-ce que Kate a des visions? Est-ce qu'elle est reliée aux insectes ou pas? Est-ce que on va jouer les troopers ou on va continuer de jouer les flics? Est-ce qu'elle va être prise au sérieux quand elle va parler du cerveau? Nous ne savons pas. On a deux succès à faire, 6 tours sur les Kelgar et... éliminer deux éclateurs en un coup à l'aide de la capacité cadeau d'atieux de l'unité JAC. Ouh, la vache, c'est précis. Donc on sait qu'il va y avoir une nouvelle unité et qu'il y a des éclateurs. J'aime pas le nom de ce truc, ça fait penser à des insectes suicidaires genre kamikaze. Ça me plaît pas trop. Voyons voir, c'est parti. À quoi ça ressemble-t-il donc? Voilà, on a du trooper un peu plus basique là du coup. Bugs have breached the northern district and got the cops here struggling. You know what that means. Those of you joining us for the first time will learn quick that Major Verhagen's boys are the best bug stomping detail in the MI. Intel informs me we've got a large concentration of bugs around the train lines. So our next stop? The railway station. Uphold my sterling reputation, troopers. We're moving out. Ok, très bien. Alors, on va te mettre en 1, on va te mettre en 2. Donc, toi, t'as la cible désignée, et eux, ils ont la grenade de base. C'est parti. Ok, on commence avec des petites saloperies. Fed Intel was on the money with the brief on burster bugs being here. Tu fais quoi, toi? Man, they're ugly bastards. Courez partout, putain. Bugs on the flank. Tear them apart. Ok. On peut pas passer sur ce truc au milieu en fait. Donc on est en train de se faire défoncer le cul. Balance-moi de la grenade là-dessus. Ok, là, faut me péter ça. Faut me péter ça. Ok. Putain. Du coup, j'ai pas du tout le temps d'aller voir. Les éclateurs projettent une substance volatile qui s'enflamme au bout d'une courte durée. L'explosion qui en résulte a des effets dévastateurs contre les unités d'infanterie autant que les armures. La poche des glandes produisant cette substance a également tendance à exposer à la mort de créatures, créant ainsi une onde de choc. Putain. Et là, on a eu quoi? Priorité des cibles. Oui, ok, ça, c'est peut-être une nouveauté, mais on est sorti tout à l'heure. On a pris beaucoup trop cher à mon goût, par contre. Il nous faut un truc de renfort et un centre de commandement ici, ça me va bien. Putain, mais par contre, on peut pas passer... Ah, merde. Préparez-vous à péter des culs, hein. Ok, donc il faut qu'on passe plutôt de ce côté... semblerait-il. On peut pas traverser ce machin au milieu en fait. C'est ça qui m'a foutu dans la merde. J'essayais de les faire bouger à droite à gauche, mais ça passait pas. Ah, sa maman. Défoncez-le. Ah, il a eu le temps de tirer. En arrière. En arrière. Putain, ça va tellement vite. Ok, est-ce qu'on peut prendre cette zone? Il semblerait qu'il y ait moyen. Vas-y, fais-leur plus de dégâts. Défoncez-moi ces cons. Ok, on reprend ça vite fait, les gars. On appelle des renforts. Faut pour commencer. C'est parti. C'est parti, est-ce qu'on peut appeler du monde? Pour le moment, non. Ok, on a 5 vaisseaux de livraison, c'est parfait. Alors, en avant. On va avancer jusqu'ici. Ah, vache. Préparez-vous à courir, vous. Voilà, merci. On a réussi à se faire l'éclateur. Parfait. Alors, le nid est où? Ah, ok. Je le vois.
Ah bon, on peut l'allumer. L'avantage, c'est qu'on a une très bonne portée par rapport à lui. Donc, quand on peut tirer dessus, on les défonce. C'est déjà ça. Avancez jusqu'ici, vous. Vous prenez le flanc, vous sur le côté. Voilà, là, ils vont être obligés de faire le tour par là. Donc, on devra les nettoyer assez facilement. Ici, il faut qu'on nettoie la ruche. Toi, avance avec les copains. Ça y est, ils arrivent. Décalez-vous un peu. Alors, je vois pas, mais je pense qu'il y a encore un, si ce n'est deux trucs qui vont popper. Voilà. Et probablement un dernier. On va rester à cette portée-là, je pense qu'on est pas mal. Le temps que ça pop. Voilà, parfait. Défoncez-le avant qu'il nous tire dessus. Excellent. Attendez, il n'y a pas de galerie, hein. Non. Il n'y a que ça. Sérieux là? Allez vite cette ruche. Ah d'accord, mais en fait c'était la première vague parce que la jauge commence juste à se remplir. Donc en fait c'est juste qu'ils nous envoient ces trucs au compte-gouttes quoi. C'était pas grave. On va nettoyer tout ce qui sort. Voilà. Et dès que c'est bon, on envoie les trois mecs dedans pour être sûr de les nettoyer. Alors elle va regagner un truc quoi. Faut qu'elle sorte plus de monde, hein. Faut qu'on avance un peu là. Pour le moment, c'est pas suffisamment efficace. Ah, ça y est. Go les gars, en avant dedans. Toi, tu gardes l'extérieur. T'es par là pour voir. Risqué parce que s'il y a des ennemis, on va être trop seul. Donc on va se calmer. On va se calmer. On attend là qu'il nettoie la ruche. On verra après si on doit faire le tour ou si on peut traverser. Ok. Clearing them out caused the tunnel to collapse. We'll need to find a side way in over that rail line. Forcément, il y a le train qui est en flamme en plein milieu. Ok, essayez donc de prendre ça d'assaut. Attendez, ouais, ils sont pas prêts là. Ils sont encore en train de sortir de la gare, enfin du tunnel. Vas-y toi, jette un œil, tu recueilleras si jamais il faut. C'est bon, prends l'angle là. Là, il y a un truc de renfort là. Allez, on peut pas. Il va falloir qu'on aille jusqu'au bout. Ok, ils nous mettent des. Ils profitent de l'environnement urbain pour nous mettre des petits pièges. Ok, arrêtez-vous. Défoncez-moi tous ces cons. Hop, on pète le cul de celui-là avant qu'il tire. Ok, il a pas eu le temps de tirer, parfait. Il y a encore des ennemis. Stop. On pousse. On envoie plus, plus fort, plus loin. C'est chiant, on en a qu'un seul qui peut tirer, enfin que deux qui peuvent tirer. Est-ce qu'on peut éventuellement dégager un peu de chemin pour... rajouter quelques tirs, ouais, ça passe. Ils sont en jaune, mais au moins ils peuvent tirer un peu. Allez, on pousse. En grenade, il a le temps de tirer en arrière. C'est bon, ça passe. Lui est devenu élite, qu'est-ce qu'il sait faire? Ok, améliorer une unité. On va prendre ça, c'est pas mal. C'est nouveau ces capacités, je me souvenais pas de ces capacités là. De l'officier stratégique. Allez, il faut avancer les gars. Encore un peu. Il faut qu'on arrive à passer ce foutu train là, ils arrêtent pas de sortir en masse là. D'autres qui arrivent en plus là. Il y a la cage de matériel militaire ici qu'il faut qu'on aille chercher. On n'en a pas raté derrière. Ça a l'air d'aller.
Allez. On avance, c'est à peu près calme. On se déploie là, c'est l'occasion. Toi tu viens là. C'est des tigres ici, donc on peut pas descendre en fait. C'est embêtant. Les tigres ils sont plus vénères. Hein. Trois unités, on arrive à les nettoyer quand même. Par contre, il y en a tellement. L'objectif c'est d'entrer dans la guerre, hein, donc ça va peut-être arriver en boucle tant qu'on. Tant qu'on n'entre pas dans la guerre, donc on va essayer d'aller voir avec lui. Par ici, quitte à courir dans l'autre sens. Ah, là on a de l'élite. Alors, toi t'as le. Ok, le fusil à pompe. Ou la grenade. Classique. More material has been delivered, sir. Ok. Mobile infantry? Finally, a bit of support. You must be Officer Keys. Major Verhagen, here to take over from you folks. This is MI business now. Does MI business include getting our civilians evacuated out of the district? My prime objective is killing bugs. But if that helps you complete the civilian evac, you can tag along. That's good enough for me. Hives are this way. Du coup, si jamais on voulait aller là, on aurait moyen d'avancer par là. J'ai pas l'impression. Hein. Essayer de progresser, mais ouais, non, y a pas moyen d'y aller, hein. Pour le moment, en tout cas. Peut-être en faisant un méga tour. Il y a un conduit à parasite ici. Alors, on a récupéré ça. Ok, très bien. Donc du coup, on a un terminal de radio ici qui nous permet de faire venir des trucs, mais on n'a rien. Là, le portail est fermé. Est-ce qu'on peut aller l'ouvrir? Toi, tu vas revenir aider tes potes. Et du coup, ça sera notre escouade numéro 2. Et eux... Alors, on a des éclateurs et des essaims de drones. Ok, très bien. Ça sera notre escouade 1. Ok, visiblement, on ne peut pas ouvrir ce portail. Très bien. Donc, à quoi ça ressemble? On a du matériel militaire qui ne nous sert pas à grand-chose pour le moment, semble-t-il. J'aurais bien voulu pouvoir choper ça. Et là, c'est trop loin, ça. On est capable de tirer avec un mec dessus. Non, même pas. Même pas, même pas. Ah, il y a d'autres tirs qui sortent. Ok. Je sais pas comment on peut l'avoir ce truc du coup. Est-ce qu'on a raté un chemin? Là, c'était fermé. On a un par ici. Non, c'était un cul-de-sac également. Là, non. Là non plus. Ici, on grimpait là. Il n'y a pas moyen de descendre, visiblement. Ok, il va falloir qu'on aille s'infiltrer à l'intérieur de la gare. Il y a des éclateurs, là. Il y a un éclateur, là. Seul bon parasite est un parasite mort. Tuer 8000 arachnides. Ok, très bien, arachnides. On s'est buté 8000 ennemis depuis que j'ai commencé à y jouer. Là, il y a un tunnel. Ouais, il va certainement falloir qu'on y aille ici à un moment. Je sais pas comment, mais en attendant, on va devoir nettoyer la gare. Alors, en plus, c'est complexe. Hein. La ruche est là, il y a un tunnel là. Ici, il y a une cage de provisions. Ici, il y a une autre ruche. D'accord, donc c'est deux ruches avec chacun un tunnel. Et là, devant, il y a un éclateur, mais nos mecs ont une portée beaucoup plus faible. Alors, faut reculer. Essayons donc de tenir ici. Vous pouvez balancer jusque là-bas, non? Donc on va plutôt mettre eux là. Et eux, on va les envoyer sur l'autre là-bas. Voir un peu à quoi ça ressemble. Vous, mettez-vous par là. Normalement, ils vont être capables de tirer sur ça.
Tout ce qui va essayer de passer, on le défonce. Ici. Ici, c'est de la merde, cet angle d'attaque-là. Les trucs, ils vont sortir, ils vont nous défoncer. Oh, en plus, il y en a un derrière, là. Je peux tirer par-dessus les obstacles, du coup. Pas cool. Ah, ils sont capables de nous tirer dessus d'aussi loin. Ah non, ils tirent sur nos drones. Ah putain, c'est chaud de tout gérer là. En arrière, en arrière. On se fait péter les fesses. Avec les trucs explosifs, là, c'est hyper risqué, hein. Franchement, de perdre de vue les ennemis... Oh la vache. Il est buté l'éclateur, là. Est-ce qu'on a du... Ouais, on peut faire venir du monde, là. Ok. Ici, il faudrait avancer. Avant que ça se refasse. Et bah toi, t'es un peu tout seul, là. Casse-toi. Ici, ça donne quoi? Ça donne que, heureusement... Ah, on n'a pas été capable de le stun, lui, merde. Grenadez-moi ça. Faut se faufiler, là, faut réussir à s'infiltrer. Ici, ils sont remis... Ah, putain, l'officier s'est fait buter, merde. Heureusement qu'on perd pas... Il y a juste Kate qui doit survivre, c'est plutôt cool. Tire sur ça toi, toi aussi tire sur ça. Ah putain, il y a des renforts qui arrivent. Aïe, chope ça. On va faire venir du renfort si on peut. Merde, je me suis gouré, non, c'est Kate. Ah! Diantre! C'est la défaite. C'est la défaite. Bon, on était pas mal, j'ai juste misclick sur les unités, malheureusement. Warfare. Mais ouais, j'avoue, gérer des flancs en temps réel comme ça, avec les trucs qui explosent et tout. Putain, sérieux, on commence là? C'est comment les sauvegardes rapides déjà? Pense en faire, c'est F5, ok. F5. Donc vous allez progresser là. Ici, du coup, on se replie tout là-bas. Toi, en avant par ici. Ok, on a l'air de reculer, c'est plutôt parfait. Ici. On se met en position, on les défonce. Avec les drones, ils sont un peu plus faciles à gérer quand même. Ouais, je les ai pas mis en deux. Allez-y, deux. On va attendre que ce truc-là se vide. Tranquillement ici. Pareil là. Vous, déployez-vous un tout petit peu par là, vous un tout petit peu par là. Toi, tu vas venir ici. On va laisser ça se vider. Ok, ils ont buté nos drones. Non, ça va, ils reviennent. On prend pas d'XP là? Si, on prend de l'XP. J'aurais pas la jauge d'XP, mais si, c'est bon. Ça y est, il y a lui qui arrive là. Ici, du coup, ils nous attaquent plus. Comment est-ce qu'on pourrait s'infiltrer? Il faudrait qu'on arrive à rentrer ici, en fait. Mais c'est tendu. Ah ouais, il y a trop de monde en arrière.
Roger that. Arrière. Ici, on va attendre que ça repop, de temps qu'on avance. Il va tirer, non, c'est bon. Ok, on va essayer de s'avancer juste comme ça, même si on a un angle pas ouf. Au moins, ça les fait venir. Ok. On dégage de des angles de tir. Oh putain, il tire sur lui. Ah, il s'est fait one shot, bordel. Ok, toi tu vas remonter là. Toi, tu prends ça ici. T'arrives. En deux, ça va repopper. On s'en occupe dès que c'est fait. Oh putain, c'est remonté à deux ici quoi. En fait, je pense qu'on va devoir se focus. Hein. On va nettoyer cette vague et on va faufiler eux par là pour essayer d'aller gérer la ruche en même temps. Ça y est, ici on a réussi à sortir ça. Ouais, là c'est pas possible. Faut se barrer. Barrez-vous ici. Ici, c'est la ruche qui nous envoie du monde. Non, c'est les petits piou-piou. Là, c'est risqué. Il y a un espèce de vieux angle bien pourrave, là. Ouais, clairement, c'est de la merde. Vous, vous progressez jusqu'ici. Ah non, putain, derrière, il y a plein de monde. Alors, le truc explosif, on a malheureusement pas la possibilité de l'esquiver, là, dans la zone. Essayez de vous faufiler par là, vous. Ok, il devait chercher ça. Ici, il nous faut plus de monde. Déployez-vous, là. L'officier stratégique, il se pointe. Ah putain, il y a encore deux forces parce que c'est repopé là. Alors, on a chopé la cage de provisions. On peut faire venir quoi? Rien. Ok, très bien. Allez, go. On envoie là-dedans. Vous venez soutenir. Là, on a quoi? Alors, ça va, ça se gère. Là, il y a un éclateur, mais il est loin. Eux, ils sont en train de nettoyer la ruche. Par contre, ça nous a servi à rien, là, le... Vous, allez vous retaper. On va tenir pendant ce temps-là. Ah oui, je me disais, ils sont où? Mais ils sont en bas, ok. Placez-vous par là, placez-vous par là. On nettoie ça, et du coup, là on est à 2 de force. Donc on va avancer jusqu'ici, là. Toi, viens mettre un peu de tanking ici. Là on a malheureusement pas trop d'opportunités de tir, on va essayer de grimper. Ça va repopper bientôt. Toi, t'es remis. Viens par là. Non, c'est écroulé ici. Viens par là. Ça va popper là bientôt. On va se préparer à balancer des petits trucs. C'est trop tard là pour relancer un assaut. Il est par là-bas, vous. Vite fait. Vous posez-vous par là. Là, ça va popper. Voilà, on va les défoncer. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. Et là, on a du temps. On va prendre 2 unités d'assaut en avant. Chopez-moi ça. Toi, tu vas me prendre cette cage de provisions.
Hop, cache de provisions capturée, recul au cas où ça pop. Alors, on a géré ces deux ruches. Très bien, c'est mieux quand on se concentre, hein. We are not going anywhere until every last civilian is on a train out of the district. Is protect and serve not part of the MI mission too? The protection part of my job is clearing out bug infestations. I'm better served stomping out the problem before it spreads to more of your people. You'll still be leaving these people here at risk. I can sense more bugs on their way. Sense? You ain't one of those. Fine. We'll hold. Ah. It's a good spot to thin the herd anyway. If there is one. Non, Roy nous dit que c'est un bon endroit où se placer. Alors, sécuriser les quais, tourelle de mortier. Ouais, le chemin. Là, on peut passer. Donc, go, tourelle ici. On a nos troupes. On a nos troupes. Parfait. Venez par là. Et là, du coup, on va peut-être pouvoir aller chercher ça. On va voir. Construction terminée ici. On va faire une tourelle là. Là, du coup, dépôt de roquettes. On peut pas. Centre de soutien. On peut appeler un opérateur radio. Ça nous serait utile. Eux, du coup, ils peuvent pas combattre. Ils peuvent pas gagner d'XP. Ils peuvent juste construire. Donc, on en a pas besoin de 40. Alors, on va prendre les... Wow, on peut passer par ici pour aller chercher ça. Ok, très bien. There's your bugs, Keys. Getting real curious how you knew they were coming. Just a cop with good intuition. What else do you expect me to be? Intuition, huh? Bougez-vous! Ah, les cons! Il faut ton officier stratégique en renfort. Là, il nous faut une tourelle ici. Là, c'est pareil, ça serait bien d'éventuellement pouvoir gagner cette zone. Détruire ça. Vous, une tourelle là. Il suffit qu'il arrive par ici, très bien. Nous, il faudrait qu'on progresse par là, si on peut. Ici, on n'a pas grand monde pour aider là, par contre, à part la tourelle. Elle est où, machine, là? Machine? The sewer siding? Yeah. I could see how waste might be mistaken for one of them ugly suckers. Take this seriously, Major. This attack is not the same as the usual outbreaks. Affirmative. If you let me get on with my job, it will be. Quashed and forgotten, just like the rest. We're moving, soldiers. Tiger bugs, we need more firepower for these nasty suckers. Our war support has increased, sir. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire venir? Le dépôt de roquettes, c'est parti. Elle est où, machine? Putain, mais c'est ouf, ça. Fais-nous une deuxième tourelle. Non, pas là. Là. J'ai perdu Kate, quoi. Merde. Faut qu'on se déploie, là. Vous. Souvenez-vous. Putain, mais est-ce qu'elle est? C'est pas possible. Disparu?
C'est elle là? Ah putain, mais oui, elle est là. Ok, alors attendez. Il nous faudrait un autre mec là. Hop, pour accompagner eux. Toi, t'es un peu tout seul là. Recule. Ouais, on est hyper mal placé là. La merde, ça. Alors attendez. Ah, il est où notre mec ici? Toi, va poser un truc. Ah, tu peux pas, putain. Ok, donc vous, changement de plan. Hop. Vous montez là. En arrière, en arrière. Vas-y, à pompe. Vas-y, fais revenir du monde là. Là, il faut qu'on avance par ici. On avance par là. Allez, putain, ils arrivent tout le temps quoi. On va chercher ça, toi. Pompe. Arrêtez de courir, putain, mais défoncez-les. Fort, là on recule. Toi, tu veux pas faire des trucs un peu plus utiles que ce que t'es en train de faire là? L'opérateur radio va se faire nettoyer la tronche. Là, on va faire venir du renfort rapidement. Ici, pompe. Ici, grenade. Toi, recule. Ici, grenade. Waouh, on se fait tellement défoncer. Déployez-vous, vous. Là, du renfort. Ça donne quoi là-haut? Oula putain, ah putain, il y a un éclateur, sérieusement. Ah, ils ne sont pas fait défoncer eux, c'est juste qu'ils ont perdu leurs troupes. Hop, on peut faire venir une unité d'assaut supplémentaire, une unité cage là. Ah, on se fait défoncer ici. Putain. Ok, en arrière les gars. Défoncez-moi ça, ça sert à rien. Enfin, ça sert, mais... c'est trop la merde pour le moment. Ok, il nous faut du coup du retour. Alors, il nous faut deux comme ça, une comme ça. Très bien. Là, des squads de police, on la renvoie ici. Parfait. On a un opérateur radio. Alors, l'unité cage, qu'est-ce qu'elle fait? Les unités à canon d'assaut et jetpack offrent une plus grande marge de manœuvre pour attaquer les cibles moyennement blindées. Sur canon sans recul ne leur permet pas de tirer à travers les alliés. Leur jetpack leur donne la possibilité de se déployer rapidement vers des positions plus avantageuses. D'accord. Les fameux jetpack troopers. Alors, utilisez le jetpack pour atteindre des positions en hauteur. Magasin à propulsion réduite, tirer une volée de balles explosives sur une position ciblée. Et donc, cadeau d'adieu, utilisez le jetpack pour vous redéployer vers la position ciblée tout en laissant derrière vous un appareil explosif à mèche courte. Ok, c'est le truc qu'on est censé utiliser du coup. Donc, vous tous. En avant, on progresse par là. Là, j'aimerais bien faire une tourelle explosive, mais ça m'a l'air compromis. Montez par là, vous. On va laisser les squads de renfort en défense. Et là, faut courir pendant qu'on n'a pas de... enfin, il y a eux déjà, là. Vas-y, déployez-vous. Quand il y a un assaut, c'est compliqué. Vous, venez par ici. Il faut essayer de se déployer là, même si ça va être coûteux. Toi, viens là.
Ouais, je sais, c'est merdique comme déploiement, mais... toi, reste par là. Jetpack par ici. Ah, tu peux pas. Alors, jetpack par là. On se déploie, faut nettoyer ce truc-là. Là, il y a une saloperie, là. Ouh, le canon sans recul, il fait le taf, hein. Ok, là, par contre, on s'est pris une petite fessée. Ça, c'est géré. Ici, ça donne quoi? Oh, putain, c'est la merde. En arrière. On a perdu un technicien. Est-ce qu'on peut faire revenir autre chose? Une unité comme ça. Je pense que ça fera le taf, là, dans le coin. Ici, c'est double explosion. On a perdu l'opérateur radio. Zut, ça fait moins de renfort. Toi, va choper ça. Grimpe là-haut. On a perdu le... Oh putain. Allez, tenez jusqu'à la fin. Parfait. En arrière. Merde, lui s'est fait buter. Ici, il y a un tunnel parasite, des lignes de reproduction. Putain, c'est l'enfer, quoi. Alors, il nous en faut un autre. Il nous faudrait un comme ça. On a plus de ce qu'il faut, là. Toi, tu vas venir ici. Ici même, plutôt. Ah, tu peux réparer, en plus. Bah, vas-y, répare. Un officier stratégique, un autre cage là-bas. Est-ce qu'on a tenu, là? Ouais, mais c'est chaud, quand même, hein. Ouf, courez par là. Il nous reste pas d'opérateur radio, non. Et on peut pas en faire venir. On peut faire venir un technicien, mais normalement il nous en reste un, non? Là. Toi, tu vas poser un mortier ici, ça sera très bien. Si on arrive à les nettoyer, où est la ruche? La ruche est là. Okay. Là, il y a un nid de reproduction, un autre tunnel de parasites qui va avec cette ruche-là, putain. Ouais, il va nous falloir soigner ça, vous du coup, à l'envent. Vas-y, viens là toi. Ok, là on a de nouveau une petite escouade d'assaut. On va se déployer, vous ici, vous là. Tout était bien en fait là, mais c'est pas grave. Donc le tunnel ici est géré, c'est excellent. Tu vas rester là pour gérer ce qui se pointe. Ouais, il y a le nid de reproduction ici là. Toi, c'est à portée, toi, ton nid de reproduction là. Vas-y. Ah putain. Oh la vache. En plus, ça pète tellement vite, quoi. En arrière. Allez. C'est pas mal. Franchement, c'est pas si mal. On se redéploie. Vous vous redéployez par là. Est-ce qu'on a moyen de faire venir un mec? Non. Ici, toi. La tour, elle est tanky, mais elle va pas faire le taf longtemps, je crains. Taf, pourquoi on ne peut pas refaire de tourelle là? Zut. Ah, ça y est. Alors ici, ça donne quoi? On a nettoyé ça, on a nettoyé ça, mais il y a encore deux de puissance de ruche. On peut envoyer tout ça. En espérant que ça passe. Non, ça ne passe pas. En arrière. En arrière. Vous ici, vous là, vous là. La grenade. Toi, pointe-toi. Est-ce que tu peux jetpacker là-haut? Non. Oh putain, il y a un éclateur, il est où? Non, il nous a...
Il nous a fait chier, mais il est mort. Attention. Putain, je peux pas bouger, quoi. Fais-moi ça. Ok, on se redéploie. Voilà, on commence à être un petit peu en déche de personnes, là. Ici, il nous faut un pompe supplémentaire. Bon, on nettoie ce groupe et c'est bon. Là, il va en avoir un dans le dos, mais on devrait pouvoir le gérer, je pense. Ça va un peu juste quand même. Allez, aux pompes. Les grenades. Là, faut reculer un peu. Allez, il ne reste pas grand chose. Toi, tu peux pas y aller. Toi, tu peux pas y aller. Mais ils sont à zéro et les jauges sont globalement assez basses. Ici, ça donne quoi? Ok. Est-ce qu'on a de quoi faire venir un mec? Non, toujours pas. Bientôt une nouvelle attaque. On va récupérer un petit peu de trucs ici, ce serait bien. Prends-nous ça, s'il te plaît. Alors là, du coup, tunnel de parasite, mais on peut pas passer. Hein. Alors, tu la captures pas? Putain. Là-bas, il y a une cage de provisions, faut qu'on la chope. Hein. Ok, les unités cage, elles peuvent pas capturer, je vois. Si on se prend une fessée. Ok, on a nos 6 tourelles, même si c'est pas gagné. Buter ça là. Pour en arrière. Non, on prend tellement cher. Refais-nous une tourelle ici. Vous, le soin. Est-ce que ça y est, on peut faire venir un opérateur radio? Parfait. On va l'envoyer tout là-bas. En fouine. Ici, on se déploie. Hop, alors. Vous, vous êtes retapé, venez par là. Toi, du coup, tu nous fais une autre tourelle. Ici. Vous venez là, après tu iras te faire soigner. L'opérateur radio. Cours par là-bas, toi. Débrouille-toi, mais cours par là-bas. On profite du petit moment de calme. Et d'ailleurs, on va profiter du petit moment de calme pour arrêter l'épisode. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. On progresse doucement. Jamais facile, hein. Et on progresse doucement. On se retrouve du coup dans le prochain épisode pour finir cette mission. A très vite pour la suite.